Hey coucou mes chers Nutriconscients, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une recette alsacienne, moselloise, alémanique. On va pas se disputer, hein. Voilà, c'est par là où, là-bas, dans l'Est, quoi. Et donc cette spécialité culinaire de la gastronomie alsacienne se réalise avec en fait du fromage blanc. Ici j'ai pris du fromage blanc de brebis, mais vous pourrez prendre du fromage blanc de soja par exemple. Donc voilà, ça peut être aussi sans lactose et sans gluten. On le mange avec des pommes de terre. Moi je fais des pommes de terre pas à l'eau mais au vitaliseur de Marion. Alors c'est parti pour la recette. Dans cette recette je mets de la ciboulette, échalote, ail, mais vous pouvez ajouter aussi de l'oignon, du sel, du poivre, ainsi que donc du fromage blanc, ici du fromage blanc de brebis, mais vous pouvez très bien mettre du fromage blanc aussi de soja, pour les véganes ou les intolérants au lactose. On va couper assez finement la ciboulette. On va émincer l'échalote. Pressez l'ail à l'aide d'un presse-ail et on mélange tout dans le fromage blanc avec, évidemment sans oublier, le sel, le poivre. Je mets le tout dans un bol et je décore avec un petit peu de ciboulette, de poivre par exemple, et on réserve au frais. Je nettoie bien mes pommes de terre parce que je vais laisser la peau pour la cuisson et même pour les manger d'ailleurs. On les fait cuire 20-25 minutes au vitaliseur de Marion. Le tout est de cuisiner bien évidemment avec amour. Tu kiffes cette recette? Mets-nous un petit commentaire. Voilà mes chers Nutriconscients, cette recette est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et dites-moi dans un commentaire juste en dessous si vous connaissiez le bibeloskes. Bibeloskes? Bibeloskes. Tu sais prononcer toi? Allez, prends soin de toi. Bye bye.